Merci Jérémy Crêteville. Allez, amis, ce matin, je vais vous parler de Jean-Philippe. Mais vous le connaissez plus sous le nom de Johnny. Ah. Voilà, bon, c'est comme ça dans le showbiz, hein, y a pas à comprendre. Johnny en vrai il s'appelle Jean-Philippe, Arthur en vrai il s'appelle Jacques, Nagui en vrai il s'appelle André. Hein, Dédé ? Personne le savait, mais. Ce mardi. Même lui, c'est pas. Ouais, ce mardi a été inaugurée devant Bercy une statue en hommage à Johnny. C'est un manche, voilà. Pas Johnny, hein, la statue. Un manche de guitare de 6 mètres de haut avec une Harley Davidson au sommet. Voilà. Mais sans le moteur, hein, dans un souci écologique, dans un souci tout court. Hein, je veux dire, elle est à 6 mètres de haut, la moto, et personne qui va la démarrer, hein, qui fait 6 mètres de haut. Géant vert, aucun maïs ne fait de la moto, de mémoire. Dans le tout, tout ça posé sur un granito bleu au sol évoquant le Walk of Fame d'Hollywood. Là, clairement, l'artiste a fait une recette avec les restes. Voilà, il s'est dit, allez. C'est une mayonnaise. Ça sent la béchamel. Ou alors, il s'en est souvenu la veille. Oh putain, la statue de Johnny, merci demain. Bon, allez, prends une moto impliquée. Alors, je peux vous dire que. En voyant la statue, les fans ont gueulé. Alors, normalement, les fans, ils gueulent « Mourir d'amour enchaîné !» Là, ils ont gueulé « C'est moche !» L'œuvre s'appelle « Quelque chose d'eux ». Alors, vous me voyez venir, c'est moi, moche. Ce matin, en hommage à Johnny, je vais chanter « Quelque chose. L'idole des jeunes. Ah. Ce sera un vrai hommage, moi, je crois. J'espère. J'ai des doutes. Les gens m'appelaient l'idole des jeunes. Et maintenant, devant Bercy, en mon honneur, une statue pourrie. Quand je la vois, je ris. En guise de sépulture parisienne, un manche en bois et une Harley posée sur une pierre hollywoodienne. Moi je la trouve à chier. Elle est limite infantile, perchoir pour volatile. Peut-être que le sculpteur a fait de l'humour aussi joli qu'une verrue ou qu'un chauve un peu chevelu. Nul besoin de statue quand j'ai votre amour. Y'a mon visage sur des bras, des pecs. Tatoué souvent sur des gens du Nord, des portraits pas toujours corrects, en hommage sur des corps. Et les bikers défilent, gros ours tendres et fragiles. Certains me suivaient depuis le premier jour. Moi j'aimais rire danser, mais le spectacle est terminé. Alors ce projet d'art plastique, je ne suis pas pour. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Pour eux je serai toujours en vie. Mais vous savez, moi au paradis, bien entouré je suis. Bien entouré, je suis. Wow. C'est beau. Et Jérémy, on se retrouve au théâtre Sébastopol de Lille le 20 décembre en tournée partout en France.